Bonjour à tous mes pioupiou d'amour. C'est dans ce magnifique écrin de nature, dans ce petit coin de nature où je vais te parler de le chamatine. Donc là je suis installée avec ma jupette de sauvage sur une souche. J'ai deux chiens autour de moi. Il y a le fils et la maman. Et ils sont arrivés depuis 3 mois dans la maison. On est dans une maison d'amis. Et où il y a une vue magnifique que je voulais vous faire partager. Donc on est dans le massif des morts, hein, si vous reconnaissez. C'est dans la suite de Lalonde les morts. Salut les chiens, un petit coucou des chiens. Et vous entendez des notes de pagno qui viennent de gens qui jouent. Il y a un cours qui se donne, et des fois, avec des jolies petites notes, on arrive à réparer des cœurs. Rodrigue, as-tu du cœur? Donc en face, je ne sais plus... Oh, une libellule! Une vraie libellule, hein, en mode hélicoptère. Et j'aime bien parce que les chiens ils sont tout autour de moi. Je voulais vous tirer les cartes, mais j'ai pas envie finalement. J'aime bien, j'ai pas envie. Je voulais juste vous partager ma joie d'être là. Ma joie d'être en vie. Ma joie d'être. T'es trop bon les tiens. Des câlins de chien. Oh, des caresses. Et il y a un chat ici qui s'appelle Pégase. Je suis malheureuse. Il y a des fois, vous avez juste à savourer ce qui est. Et ce qui est. Et ce qui est beau. Et ce qui est là. Et ce qui est, c'est tout. Je voulais vous partager cette paix et cette joie parce que je vous ai partagé des angoisses existentielles, des moments, etc. Et puis il y a peut-être des moments où il faut se dire que les choses qui fâchent ou les choses qui nous stressent ou les choses qui nous ont manqué finissent par passer. Et qu'à un moment, vous vous retrouvez en paix avec des gens qui vous comprennent, des gens qui vous soutiennent, des gens qui partagent vos valeurs. Et peut-être que si ça arrive après des moments difficiles que vous avez dû traverser tout seul, eh bien, ça n'a pas de prix. Je ne pensais pas du tout, quand je vous ai annoncé les énergies de la semaine, qu'il allait avoir une transformation, qu'on pouvait changer de vie en une semaine. Comme d'habitude, j'ai canalisé le message, j'ai envoyé, je me suis dit, bon, ça doit être pour quelqu'un d'autre. Et non, je ne m'attendais pas à cette transformation. Je vous laisse savourer. Donc n'oubliez pas, hein, le caca ne disparaît pas de nos vies, c'est simplement vous qui mettez davantage le focus sur ce que vous aimez, sur ce qui est important pour vous, sur ce qui est essentiel. Sans quoi, ne continueriez-vous pas l'aventure? Voilà. J'ai pas envie d'en dire plus, tellement je pense que les choses simples sont les plus importantes. Je vais aller me rouler par terre. Je pense se rouler par terre, lire un bon bouquin. Aller simplement s'installer autour d'une table, être là. Être là où on est, savourer là où vous êtes sur la planète. Savourer d'être en vie, dans l'ici et maintenant et de partager cette expérience. C'est super important. Et bien. Voilà, tu auras tout vu. Et c'est déjà pas mal. J'étais en train de lire
mon nouveau bouquin sur les runes. Et c'est marrant parce qu'il parlait d'une rune qui représente la coupe, la culpe. Il y a aussi notre Graal. Et finalement, notre Graal, c'est simplement notre façon d'être par rapport à la vie. Comment je savoure ce qui m'est donné avec mes cinq sens. Tout ça, ça, c'est pas à moi, hein, j'ai rien acheté. Hein. Je vous rappelle que la mère, peut-être bientôt, on va pouvoir se vendre des tickets, mais mais là, pour l'instant, ce n'est pas à moi. J'ai bien les chiens réagissent encore un peu à mes gros rires de mec. Et pourtant, je peux le savourer. Et le fait que je savoure cette vue magnifique, exactement comme je vous ai savouré le coucher de soleil à Saint-Jean-de-Luz, vous comprenez le partage, c'est je peux le partager avec toi et il ne m'en manquera pas pour moi. Vous comprenez ça? L'amour, la connaissance. Oh, c'est le garçon? C'est le garçon qui il vient toujours me surveiller de près. La maman, elle a compris que j'étais un peu starbée, elle reste loin. Elle s'est mise sous l'olivier. Et c'est un garçon, il vient me surveiller si je ne fais pas de bêtises. Donc reprenons. Oh. Pff, tout est magnifique. Je suis remplie de joie. Dans mon corps, ça se manifeste par une énorme envie de faire pipi. Et c'est comme ça, ça fait 47 ans que ça dure et j'espère que j'aurai toujours autant envie de faire pipi quand je suis heureuse. Et j'espère que vous aussi. Le fait qu'il se passe aussi des choses qui ne sont pas jolies dans le monde ne vous empêchera pas de savourer pleinement l'amour, la belle beauté et la joie d'être. Amour, gloire et beauté. N'oubliez pas, tout ce qui vous fait du bien à l'avance, kiffez d'avance, vous kiffez sur le coup et vous re-kiffez après. Et portez toute votre attention sur ce qui vous porte, sur ce qui vous élève. Oh ben je te jure que, comme on dit, gna gna gna, les chiens, les trucs sont bien gardés. Oh ben là, on est tranquille. Hein. Ils ont crié pour une voiture qui arrivait de loin. Même moi, avec mes oreilles supersoniques, je ne l'avais encore pas entendu. On entendait comme un bruit de vibro au loin qui annonçait un véhicule. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous refais un tour d'horizon. Et laissez votre âme agir. Laissez votre âme savourer ce qui est. Vous avez le droit de vous foutre la paix. Vous êtes à ce moment sur la planète. On ne vous demande pas de faire quelque chose. On vous demande simplement d'être pleinement vous. D'être aimant avec les gens que vous, qui en veulent la peine. Voilà, d'exprimer ce que vous ressentez. Et d'être heureux. The Love Boat. Allez, des gros bisous. Des gros bisous. Et je repense à Essaïra. Merci pour les pouces. Merci pour les abonnements. À très vite sur la chaîne de Didi.